S'agissant maintenant de la Libye, nous vivons intensément cette tragédie dans nos cœurs, dans notre raison, dans nos corps, parce qu'il s'agit d'un pays frère, un pays voisin, un pays qui a partagé avec nous les dures conditions que le peuple algérien a vécu à travers son histoire, un pays qui a toujours été proche de l'Algérie, même quand dans le passé il y a eu des nuances ou des différences dans la perception de certaines questions. Nous nous sommes toujours retrouvés à la faveur d'une concertation, d'un dialogue qui était bien alimenté par les dirigeants des deux pays. Et donc, ce qui arrive à la Libye nous touche au plus haut point. Ce qui arrive à la Libye est évidemment de la responsabilité des Libyens d'abord et avant tout, mais aussi des ingérences étrangères qui ont considérablement compliqué les données de la situation. En Libye, la communauté internationale n'a pas été aux côtés des nouvelles autorités libyennes pour faire en sorte qu'une démarche systématique, une démarche de reconstitution de l'État, d'édification d'institutions solides dans tous les domaines, institutions politiques, mais aussi institutions sécuritaires, une armée nationale, des services de sécurité professionnels qui puissent servir. Alors maintenant, la Libye doit pouvoir redevenir un État solide pour jouer pleinement son rôle dans la région et dans les cadres auxquels nous appartenons ensemble. Même dans le contexte de la lutte antiterroriste, c'est l'État libyen reconstitué, consolidé, doté d'institutions pérennes qui sera en mesure d'apporter une contribution significative à la lutte contre le terrorisme.